Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés sœurs et frères en Christ, nos téléspectateurs partout dans le monde entier, je suis là comme étant votre humble serviteur, le pasteur Nico. Je vous parle de la dite chaîne. Nous avons nos chaînes à nous. Voici, il y a la chaîne Deborah News et King Top News, bien-aimés. Partagez ce lien, s'abonnez massivement. Partagez, souvenez-nous d'une manière extraordinaire. Vous serez richement, fortement, abondamment. La main du Dieu capable vous surprendra. L'heure est arrivée. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez là où le Seigneur veut que tu sois. Le Dieu que nous nous servons, le Dieu de ma jeunesse, celui qui a chuchoté dans mes oreilles, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'abonner. Suivez-nous dans cette chaîne Deborah News et King Top News. Vous serez un homme le plus heureux, une femme la plus heureuse ici sur la terre. Que la bénédiction du ciel te localise cet après-midi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie, tout démon qui te tourmente. Je suis en train d'exercer l'autorité sacerdotale cet après-midi pour déloger tous ces démons-là qui te tourmentent. Au nom puissant de celui qui a triomphé le monde, que le Seigneur te guérisse. Que ta guérison commence par ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Soyez guéri, sois connecté au ciel et s'abonne-toi et dans nos chaînes Deborah News et King Top News. Tu ne seras jamais déçu. Nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ok, bonjour, bonjour, bien-aimés en Christ partout où vous êtes universellement. Le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui vous bénisse abondamment. Je suis en train de le bénir parce qu'il est Dieu. Et je bénis sa puissance, je bénis son esprit et je bénis son amour envers nous. Alors soyez bénis là où vous êtes, soyez connectés dans notre chaîne Deborah News, soyez connectés. Et je salue en passant notre maman, la prophétesse Deborah, là où vous êtes, et la patronne, notre fille chérie, Prisca. Que le bon Dieu vous bénisse. Ok, nous allons tourner vite ensemble avec moi dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons prendre le verset 22, le 23 et le verset 24. Lisons ensemble avec moi. Marc chapitre 11, le verset 22. La Bible dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, et il le verra s'accomplir. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ça c'est la parole du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Bénis ce moment que nous allons passer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ok, le thème de mon message est intitulé « La foi dédiée ». La foi dédiée. Il y a la foi des hommes et aussi la foi de Dieu. Et je vais vous expliquer la foi des hommes et la foi de Dieu. Alors, dans le verset 22, la Bible dit, Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Donc, Jésus comme étant homme, il était en train de s'adresser à ses disciples comme étant des hommes comme lui. Ayez foi en Dieu. Il a dit, si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point de son cœur, s'il ne doute point de son cœur. Le problème, c'est au niveau du cœur.
il y a le don de foi et le don de l'esprit de foi. Alors, il y a la foi des hommes et la foi de Dieu. Alors, la foi des hommes, ça peut ou ça ne peut pas. Mais la foi de Dieu, cela ne rate jamais. La foi de Dieu, c'est ça qui a poussé à Jésus de ressusciter Lazare. La foi de Dieu, c'est ça qui a poussé à Jésus de sécher le figuier. La foi de Dieu, c'est ça qui a poussé Jésus de ressusciter le fils unique de sa mère. La foi de Dieu, c'est ça qui a poussé Jésus de marcher sur les eaux. Bien le maître, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas la foi des hommes, mais c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu t'amènera à un niveau très élevé. La foi de Dieu te donnera de résultats escomptés. Le don de l'esprit ne rate jamais. Les dons de l'esprit, vous pouvez travailler, réciter, ou comme étant homme, tu peux facilement échouer. Tu peux échouer facilement pour toi, tu as la nature de l'homme. Mais lorsque vous avez les dons de l'esprit de foi, le don de l'esprit de foi, ça c'est au niveau de la démonstration. C'est ça que Dieu demande à ses enfants bien-nommés. Nous devons avoir la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est bien. Mais la foi de Dieu, c'est plus mieux. Ce que Dieu nous demande pour avoir des démonstrations, pour démontrer au diable que nous appartenons à ce Dieu-là, le Seigneur nous demande la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est au niveau des démonstrations. La foi de Dieu, c'est au niveau de la résurrection. La foi de Dieu, c'est au niveau de marcher sur les eaux. La foi de Dieu, c'est au niveau de sécher un figuier. Le figuier a été totalement séché parce que Jésus exerçait, et non pas la foi des hommes, mais la foi de Dieu. Pour avoir des résultats dans ton ministère, dans ta vie chrétienne et dans tout ce que tu fais dans la vie, Jésus-Christ te demande n'avoir pas la foi des hommes, mais tu dois avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi qui a créé le monde que vous voyez. La nature que vous voyez a été créée par la foi de Dieu. Si vous voulez percer dans ce monde où nous vivons, tu dois avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est au niveau de l'opération plus. La foi de Dieu, c'est au niveau de miracles extrêmement extraordinaires. La Bible dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront crié. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui auront la même nature que moi. Tous ceux qui vont imiter ma foi. La foi de Dieu. Ce sont eux, les miracles doivent accompagner. Si vous voulez que le miracle t'accompagne dans ce que tu fais, le Seigneur Jésus te demande, tu dois avoir la foi de Dieu. C'est la foi qui est au-dessus de naturel. La foi qui est purement surnaturelle. Nous devons vivre surnaturellement dans notre vie chaque jour ici sur la terre. Tu dois vivre la vie surnaturelle, bien que nous sommes encore dans ce monde, bien même que nous sommes dans la nature, mais tu dois vivre une vie surnaturelle. Surnaturelle, c'est-à-dire ce qui est sur la nature, ce que la nature ne peut pas comprendre ni contrôler. C'est cette foi-là que le Seigneur nous demande, la foi en la foi de Dieu, pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, ça c'est l'homme qui place sa foi en Dieu. Mais la foi de Dieu, c'est-à-dire, vous entrez au même niveau que Dieu. Tu opères comme ton Dieu. Tu déclenches comme ton Dieu. Tu appelles les choses qui n'existent pas comme Dieu appelait les choses qui n'existent pas. Si vous voulez avoir des résultats bien nommés, je vous appelle tout le monde aujourd'hui dimanche. Si tu écoutes le son de ma voix, change ta façon de voir.
change ta façon de concevoir. Ce que Dieu nous demande, une bonne conception qui te permettra d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est-à-dire tu opères comme Dieu. La foi de Dieu, que vous entrez dans des surnaturels comme Dieu est surnaturel. Dieu opère dans des surnaturels. Nous aussi, si nous imitons la foi de Dieu, nous allons opérer surnaturellement. C'est ça ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés. Soyez bénis, soyez connectés au ciel pour avoir la foi de Dieu. Si vous voulez avoir la foi de Dieu, lire très bien sa parole et connecte-toi avec le ciel. Lorsque tu seras connecté par le ciel, c'est alors que tu auras la foi de Dieu. La foi de Dieu te permettra de ressusciter les morts. La foi de Dieu te permettra de marcher sur les eaux. Regarde un peu Pierre, bien-aimé. Quand il a vu Jésus en train de marcher sur les eaux, il a crié. Jésus a dit, toi aussi tu peux le faire. Approche-toi auprès de moi. Quand il fixait ses regards vers le maître, il marchait sur les eaux. Quand il a détourné ses regards vers le maître, il commençait à sombrir. Le Seigneur t'appelle et il te demande. Il m'a dit de te dire que, my God, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas la conjoncture. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais tourne tes regards vers le maître. Lorsque tes regards seront fixés vers le maître, c'est alors que tu auras la foi de Dieu. La foi de Dieu te permettra de faire des exploits. La foi de Dieu te permettra d'aller de grâce en grâce, de progrès en progrès. La foi de Dieu te permettra de faire face à qui que ce soit. La foi de Dieu te donnera une grande victoire. La foi de Dieu ne te permettra pas de quitter ce monde inaperçu, mais la foi de Dieu te permettra de quitter ce monde et tu laisses des traces qui vont convaincre le cœur des gens que tu es passé dans ce monde. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez connectés. Et le bon Dieu, le Dieu de la dite chaîne, qu'il vous bénisse puissamment, qu'il vous bénisse abondamment. Suivez-nous attentivement. Dans cette chaîne, la chaîne chrétienne, la chaîne de référence, la chaîne qui change le visage du monde, la chaîne qui change la figure du monde entier. Souviens-nous bien-aimés, qui ne sera jamais déçu. Le Dieu de la dite chaîne, il entendra sa main pour vous toucher. Le Dieu de la dite chaîne, il vous surprendra d'une manière agréable. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez connectés dans cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ, Amen.